Mercredi 29 août 2018, avant juste tout le monde, nous comptons rentrer la CAOM, une troisième sortie téléjournal pour semaine. Merci là. Rapidement, mes principales points capables de faire signer le journal pour matin, pour nous faire connaître travail brigade d'action civique, mission UAC, disposition qui prend pour ouvrir l'école là. C'est le sujet ça qui était débattu à Yamadia dans le cadre de conférence, semaine conférence spéciale, ministère communication a organisé dans l'occasion de rentrer l'école là. Commission Chambre députée a quitté des missions de travail sur amendement à la Constitution présenté mardi 28 d'août là, rapport de la société civile là et puis l'autre secteur concerné dans la population. Dans cette couleur, le ministère de l'Agriculture, le ministère Conditions Femmes avec Droits Femmes et puis FAO organisé 3 journées d'atelier sous thème atelier de réflexion sur le genre et l'insécurité alimentaire. Atelier ça a fait pour valoriser le travail féminin dans le dossier insécurité alimentaire. Et puis à l'échelle internationale, le pays la Russie a annoncé qu'il va organiser ce 11 pour le 15 septembre, plus gros exercice militaire qui n'a jamais existé depuis 40 années avec l'ère soviétique là, environ 300 000 soldats, 36 000 blindés avec 1000 appareils aériens pour le déployer pour l'occasion. C'est ensemble pour savoir qu'un pilote qui a bien fait ce journal là pour jeudi mercredi. Arrêtez de brancher un peu tout de même un petit temps pour développer l'information sur savoir qu'un pilote. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans la troisième sortie téléjournal là pour semaine ainsi là. N'a pas démarré avec information aux gens qui nous ont annoncé ensemble titio pour nous faire connaître dans le cadre de la semaine conférence et spéciale dans l'occasion d'entrer l'école là. Ministère communication recevra hier mardi 28 d'août la directrice adjointe direction action civique dans le ministère jeunesse. Espoir qu'avec action civique, Nian Vacheri, c'était occasion pour directrice adjointe là présenter brigade d'action civique mission yo à disposition qui part pour vêtir l'école là. On a fait vite suivre un reportage qui signe Rachel Tifort. Nous avons 20 zones d'intervention qui c'est Monatu, Carrefour, Matissan, Grand Rue, Bloc Stade, Carrefour Feuille, Robélaire, Babélaire, Poste Marchand, Sans Fil, Pétionville, Delma, Croix des Bouquets, Bon Repos, Pont Rouge, Cité Soleil, Route des Dalles, Turgeau, Nazon, Avenue Pouplan. Effectif brigadier, c'est 399. Mais les noms additionnés coordonnateurs. Premièrement, c'est pour de nationalité haïtienne. Pour gagner, pour posséder carte d'identification nationale ou bien ou gagner immatriculation fiscale. L'âge, faut âger entre 18 et 21 ans. Faut capable membre d'une association de jeunesse au moins 2 ans pour gagner que ou ap milité là-dedans. Faut capable réussir dans 3e secondaire. Faut juste d'une bonne réputation dans sa communauté, dans la communauté pas au côté où il évolue, faut juste d'une bonne réputation, avoir de bons résultats sur le plan académique, parce que nous-mêmes c'est excellence que nous avons cherché. Et puis faut mon en bonne santé. Année ça ouverture des classes là, nous gagnons notre chef lieu département des appelés de service civique, des jeunes qui l'a formé, y aurait les appelés de service civique, y prend formation brigadier à plus quelque chose encore. Donc y là, y même y là pour renforcer direction départementale. Yo. On y a là pour ouverture des classes. Anissa, ministre la pral déployé dans la zone de provinciaux, c'est seulement un plateau central qui peut gagner. Combien a mobilisé pour l'école là? Gain plus pour chaque côté nous former 200. Chaque côté nous former 200. Et ici déjà et environ 199. Et nous comptons renforcer nombre. N'a renforcé nombre parce que gagne qui là en attente qui prend formation qui captonne. Qu'on y a pas le fait, y ont diligence pour augmenter moyens, non, de façon pour nous capables de mobiliser d'autant plus de brigadiers pour ouverture scolaire là.
L'autre information dans le journal, le ministère des conditions femmes et des droits femmes, organisation Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans cette couleur qui est le ministère de l'agriculture, ressources naturelles et développement rural, organisé 3 jours d'ateliers en baptême, atelier de réflexion sur le genre et l'insécurité alimentaire. Atelier ça fait pour valoriser le travail femme dans le dossier insécurité alimentaire. Karine Clermont, qui est coordonnatrice du programme, en fait qu'on est atelier réflexion ça a visé by femme place dans le travail. Y a fait qui vient pour alimentation et puis nutrition timoun. Caroline Clermont et Namiko Stéphanie Scholl avec Hervé Pierre. Journée jeudi à nous là pour nous parler de genre, prise en compte de genre dans la sécurité alimentaire et nutrition. Son programme de FAO qui est fait en partenariat avec le ministère de la condition féminine aux droits des femmes et aussi surtout le ministère de l'agriculture. Pour qui ça le ministère de l'agriculture, c'est parce que y'aura nos compte que causer pauvreté, causer nutrition, causer alimentation, femme la donne en pile et travail femme dans milieu ça yo pas prendre en compte du tout. Donc pour capable parler pour arriver à on l'autre causer au niveau nutrition, nous obligé parler de femme. Et c'est pas seulement le ministère de l'agriculture, nous gagne tout ministère du commerce et de l'industrie qui est concerné, ministère de l'économie et des finances qui est concerné. Et à un certain niveau, le ministère de l'Éducation nationale. Parce que lorsqu'on parle de nutrition, les enfants sont concernés. Le coup, les femmes place sur notre travail, il a fait pour capable prendre en considération, pour causer pauvreté, accès à la terre, travail que vous faites, pour capable comptabiliser tout le monde. Parce que effectivement, problème d'alimentation, de nutrition, il vient tomber sur maman, de maman, il va être petit là. Donc, si vous prenez un compte de gens là, vous pouvez regarder qui est capable de faire alimentation qui est plus corsée, qui est plus stable, pour être capable de même puis devant, pas bâtir mon problème. Cette information dans le journal l'asphalt continue à mettre sur route mon pilbo pendant toute semaine. C'est le travail ça y est dans le cadre de travail caravane changement. C'est même constat tout sur route Kankok, Limbé. Côté mise en place, continue à faire pour mettre asphalt sur toute route là. Toujours dans ça qui concerne les dossiers infrastructures, qui travaille dans le cadre de caravane changement avancé dans la commune Grand-Rivière du Nord. Député Jules-Miss Jacques, qui te prend comme exemple travail élargissement avec terrassement qu'a fait sous route Barrière-Batan, Grand-Rivière du Nord, avec Baron Grand-Rivière du Nord, un extrait. Seulement ça nous a fait là, nous gagnons route et Grand-Rivière du Nord. Barrière Batan. Nous gagnons tout route Grand Rivière du Nord Baron. Alors, et nous songe président Jovenel Moïse te dit que Jules Miss, ou pas besoin inquiéto, n'a fait route Grand Rivière du Nord, rivière juste Baron. Moi ouais que Barrière Batan à Grand Rivière du Nord presque asphalté et il y a des matériel tout qui sous place dans toute route Baron. Donc, nous gagnons assurance que gagne travail qui commence fait pour route sorti Barrière Batan pour arriver juste Baron. Et président te dit nous tout la fait route la sorti Baron arriver juste Rankit de façon si on a sorti au cap pour aller par au prince et là soit dit qui route va prendre, est-ce qu'on prend route nationale numéro 1 ou bien est-ce qu'on passer par Grand Rivière du Nord ou passer par Baron Rankit et pour aller inch pour tomber par au prince. Donc nous commencer dit président merci parce qu'effectivement tant qu'on était promettre nous. Donc nous avons route là à fait et actuellement si on visite là on pourrait des matériel qui sur route Grand Rivière du Nord là et vraiment travailler à avancer. L'autre bagaille qui réalisé là kay nous encore nous gagné commune Baron qui pas te gagné l'hôpital nous gont dispenser et bien et nous gont l'hôpital qu'a construire et pour moun Baron donc dans campagne moi tout nous te promettre lui donc l'hôpital l'a construit. Ensuite nous gagné tout et dans Grand Rivière du Nord, nous quittons Baron dans Grand Rivière du Nord, nous gagnons l'hôpital Grand Rivière du Nord, là, et nous pas de côté pour nous mettre médecin au dormi. Eh bien, nous gagnons résidence, un caille qui est en fin fête pour capable accueillir médecins infirmières qui travaillent dans l'hôpital Grand Rivière du Nord, là. Député Katia Mourien Isaïe Prophète exprimer satisfaction par rapport avec un ensemble projet qui déjà réalisé dans la commune là et puis parler sur quelques autres projets qu'a bien pour exécuter toujours l'intérêt population en fait aussi. Population mourinoise là, yo vraiment remercier l'État haïtien par le fait que dans ce sens ça, il prend responsabilité quelques projets que nous faisons réaliser là,
c'est la réparation des trois écoles de commune quartier moyen pour la rentrée des classes. Nous réhabiliter l'école nationale de Galmont-Dubla, nous réhabiliter l'école nationale de Kadouche et nous réhabiliter l'école nationale du centre-ville de quartier moyen. Ça, c'est niveau éducation. Nous arrivons maintenant en commune dans trois laboratoires informatiques. Nous avons un laboratoire informatique dans le lycée pour le jeune Magloire de quartier moyen. Nous avons un laboratoire informatique dans l'école nationale de Kadouche. 25% dans le premier tour. 65 élèves philo, il y a 80 qui passaient en premier tour, il y a 20 qui ont journé et il y a 5 qui allaient qui peut-être éliminés. Et dans le repêchage là, nous espérons que dans 20 ans qui étaient à journée, bon pourcentage de 80 à 90% capable de réussir, qui va permettre que le niveau réussite là, il monte à 80-90% au niveau du lycée de pour le jeune Magloire de quartier Morin. Au niveau de l'infrastructure, nous sommes capables de dire que l'on fait que nous arrivons dans la commune, pas de courant électrique du tout, pas de aucune installation électrique. Et mais qu'on y a après 2 ans et demi, nous finalisons tout le centre-ville de quartier Morin, que tout le réseau électrique qui couvre le centre-ville de quartier Morin est actif. C'est simplement qu'on y a un problème d'alimentation. Qu'on y a sur la route également du plat, nous avons toute installation pour un réseau électrique de devant cimetière quartier Morin, rivière Chastenois, de Carrefour Jésus, rivière Tichari. Et nous faisons commencer un projet qui est financé par le ministère de la Planification à un montant de 3 millions de gouttes. Côté que nous baillons courant dans la deuxième section. Nous commençons le réseau du côté de Nancerka. Il passe par Nantassi et rivière Kadouche. Actuellement, là, nous avons notre projet d'électrification qui pourra commencer. Côté que nous pourrons l'ouvrir encore un autre réseau électrique à un montant de 8 millions de gouttes. Pour la route de Galmont-Dupla, son route au niveau du ministère des TPDC qui permet que y ait 1 km de route là qui est bétonnée, qu'on y en a tant de président de la République qui pourrait mettre pour Galmont-Dupla qu'il y a fait 6 km là. Mardi 28, dans la route là, fait 51 années depuis l'Office Assurance Accident Travail Maladie et Maternité existé. Pour célébrer 51e anniversaire, ça, responsable institution organisé une messe action grâce dans le local l'hôpital là qui trouvait dans la cité militaire. Reportage qui signe Jean-Pierre Mifasirus. C'était dans l'année 1967, sous président François Duvalier, l'État haïtien était pris décision pour mettre sous pied Office Assurance, Accident Travail, Maladie et Maternité, OFATMA. Institution ça, qui a trois l'hôpital là-dedans, yon nan Port-au-Prince, yon au Cap et yon l'autre au Kay, vient pour mission assurer sécurité sociale, agent service public et privé en dedans pays. Dans l'occasion 51e anniversaire existence OFATMA, responsable de réaliser yon messe action de grâce. Célébrant principal là, révérend père Getchin Anissette, mandé bon Dieu pour les bail responsable et employé au Fatma yo, plus courage pour faire travail yo. Pour nous chaque qui là, pour nous la prier, bon Dieu, pour tout le monde qui a travaillé dans l'hôpital ça, pour ça yo fait yo, pour bon Dieu capable de prendre soin yo, pour bon Dieu toujours avec yo, pour bon Dieu couvrir yo avec manteau protection lan, pour tout côté yo passé, pour bon Dieu toujours là bon côté yo. Nous pas seulement faire un bilan de ça au Fatma fait, mais tout simplement n'a demandé bon Dieu pour lui toujours venir en aide avec yo, pour yo vivre en pile année toujours, pour institution capable arriver kembe dans tout domaine. Directeur général Office Assurance Accident Travail Maladie et Maternité a Agabus Joseph fait éloge travail lui déjà réalisé. Il fait qu'on est au Fatma gen pi gros réseau service santé dans le pays. Il promet de continuer travail pour permettre au Fatma faciliter plus de monde gen accès à programme santé offri. Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous devez porter très haut le flambeau. Vous êtes l'avenir, ne baissez pas les bras. Le chemin difficile ne s'arrête pas ici. Votre voyage ne fait que commencer. Mais gardez-vous que vous travaillez pour votre pays. Soyez passionné pour votre institution et ce beau pays que nous aimons tous. Au Fatma, il y a 14 bureaux régionaux au niveau pays.
Grâce à bureau sa yo, institution arrivé offrir service li dans tout 10 départements yo, selon Agabus Joseph. Commission chambre député a quitté une mission de travail sur amendement constitution en présent Pétionville permettre participants de faire connaissance à contenu rapport amendement. N'a pas vite suivi un reportage qui peut être signé entier Isaïe Aurélius. Débat sans entendre, informer différents secteurs de la vie nationale là, sous processus amendement constitution. Pour journée ça, ces différents représentants société civile là, mêlés à quelques officiels qui étaient concernés dans le cadre de ces informations ça. Changement dans le régime politique là, question des charges, conseil électoral à question nationalité là, c'est parmi différentes propositions, commission chambre député là, fait dans le cadre d'amendement ça. Pour ne pas encourager discrimination entre haïtiens, nous proposons éliminer question des catégories haïtiens que constitution de prévoit. Ou c'est haïtien, là on fait de yon papa, ou soit yon maman qui est haïtien. Les pour haïtiens, pour qu'ils voient participer dans la vie politique du pays, à tout poste, cependant, poste président, avec un ciel de naissance, et qu'on va jamais dénoncer la nationalité. Pour question des charges, certificat des charges, qui causait un peu de problème, nous recommandons, pour question ça, sortir dans les parlements et à le régler au niveau pour des comptes. Nous recommandons, vous aurez fait totalement rebâti, reconstruit procédure amendement qui prolonge. Nous recommandons que quorum séance dans le Parlement change. Président chambre député Agari Bodokwe, 30 années après Constitution 87 là, pas arrivé pour tes résultats dans ce qui concerne le modèle société pays a besoin. Pendant sa lié travail commission chambre député a, il souhaitait un amendement en profondeur dans la Constitution actuelle là. Constitution ça permet que la liberté d'expression, la liberté d'association, les jeunes qui ont fait réunion au côté, ils ont entré là calmement, mais ça nous est là, le logiciel ça nous est là, je dis, hein, parce que ça ne pas permettre de changer la vie massive. Il ne pas permettre de créer les meilleures conditions de vie. Il ne pas permettre de combattre la corruption. Et mieux n'aller plus vite, parce que c'est mieux. N'a porté bonne nouvelle. Pour président Sénat République là, Joseph Lambert, sénateur doit suivre même route travail chambre député a d'après lui qui produit un bon travail. Il était quoi? Parlement a déjà paré pour présenter proposition amendement constitution hein, à partir septembre 2019. Et autant de fois que nous banaliser un acte et prendre pour faire sembler un acte coquin et nous dénaturer, c'est autant de fois n'a pas erré. Je dis, il est aussi vrai tout que question Petro-Caribe à tout, pas de traiter comme quoi le monde qui besoin résoudre le problème avec moi, sens et porter ensemble recommandations qui produit par commission. Moi-même, personnellement, régime, changement de régime que vous proposez là, pour moi-même, il est nécessaire. Question de mon président, mon premier ministre, mon exécutif bicéphale, et premier ministre avec toute ministre, d'une domestiquée par les sénateurs, d'une domestiquée par les députés, et pour venir toujours dans une situation de blocage. Il y a en total 30 propositions composées rapport amendement commission chambre député, cap travail sur amendement constitution présenté. C'est une commission de 9 députés, là-dedans, il y a une femme qui était montée pour faire travail ça. N'a pas toujours été dans le dossier concerné par le haïtien. On nous faut qu'on ait un groupe 4 sénateurs qui n'ont opposition dans le Sénat. Evaliara Beauplan, Ricard Pierre, Antonio Chirami et Kamel Kassi. Fait qu'on n'est pas intéressé à la question monter un nouveau gouvernement. Cependant, si toutefois il y a un nouveau gouvernement, il y a continué de travailler pour contrôler l'action exécutive. Sénateur département de l'Ouest, Antonio Chirami, qui est membre du groupe SILA, sénateur du département de l'Ouest, Evaliara Beauplan, tape. Expliquer proposition groupe là et puis porter plus d'explications à Miko Kolo Eliezer avec Moïse Ulbrich. Je n'en peux vite aussi. Nous n'avons aucune négociation, nous n'avons aucun gouvernement à participer là-dedans parce que nous campons derrière un principe que nous signons ensemble. Sous premier ministre passé là, bravo. Au nouveau gouvernement, au nouveau gouvernement arrivé là, passé, bravo. Même attitude qu'on est là. Fait bilan exécutif là.
mettez pression pour que au moins au minimum qui rejoigne société a holocauste ça nous choisir rentrer là-dedans sacrifice ça nous choisir faire moi même dans secteur que Miriam si on accord à quoi ça pas voyer mal supporter ni premier ministre à quoi ça pas voyer mal non ni partager poste avec moun à quoi ça dit en nous bataille en nous chita pour nous proposer en l'autre étape. Notre information dans le journal, le journaliste Radio Télé Galaxy, Jean-Robert Delciné, accompagné avec avocat Peter Renol Delciné, et puis secrétaire général de l'Association Journaliste Haïtien, Jacques Desrosiers, déposé en plainte mardi 28 d'août contre IT, dans le greffe cabinet instruction Port-au-Prince. Avocat journaliste Ahmed Peter Renol Delciné explique que décision ça venir à cause de menace journaliste dit la peur recevoir suite à un reportage qui a été réalisé dans le 3 juillet passé à ce quantité d'employés qui peuvent travailler dans le Parlement. Beaucoup de parle, le secrétaire général AJH, la Jacques Desrosiers, dénoncé attaque et menace journaliste a fait connaître la peur recevoir dans ce sens-là, responsable association. L'important pour nous autres, pour nous capables d'accompagner le voté plainte au niveau de cabinet d'instruction, parce que nous n'avons pas capable lorsque les choses arrivent et quitter aller comme ça. Donc nous toujours permettre à tout le monde de placer là. Pour rendre justice, ils prennent responsabilité. Dans ce sens, nous constituons, les constituer avocats, c'est moi-même avocat, et puis ensemble avec l'association journaliste haïtien qui représente là, et on a notre confrère qui est côté maintenant, nous connaissons dans la presse, pour être capable de porter plainte formellement contre X, qui a juge d'instruction lui-même, pour être capable de déterminer dans quelles circonstances menace ça a proféré, qui est ce monde qui proféré menace ça, et puis rendre une ordonnance qui est capable de permettre pour nous de répondre à la question de la justice par rapport à Jacques Malhonnête qui a promis ce journaliste. Nous connaissons Robert Delciné, il a gagné une série de reportages que a réalisé au niveau du Parlement haïtien, côté que lui mettait en exergue la vie, une série de privilèges négatifs. Bénéficier, même gens avec une série d'employés, nous connaissons qui ont arrivé entrer au niveau du Parlement ici en dehors de toute norme qui a un rapport à question de compétences. Et bien, reportage ça lui-même, il n'a pas fait mon bien, et suite avec reportage ça, il y a des menaces qui a lancé. Liberté de la presse, c'est un bagage qui est garanti par la constitution haïtienne. Jodia, nous pas qu'à tolérer pour un groupe de monde, quel que soit côté et côté de travail là, pour capable à faire menace aux journalistes, pour capable à intimider les journalistes parce que ils rapportaient une information qu'on jugeait qui parle dans ce sens. Jodia, accompagné de avocali, AJH, qui vient déposer une plainte contre X, de façon pour demander cabinet d'instruction, pour ouvrir une enquête, pour identifier les gens qui ont fait menace ça et pour faire ce que de droit pour la justice, pour ça ne pas répéter encore. AJH, c'est Wally, dans veille, dans veillé, dans le respect, liberté de la presse là, et Jean-Robert Delciné, c'est un membre de l'association journaliste haïtien, et que nous avons obligation pour nous accompagner Jean-Robert Delciné, pour lui en condition psychologique, pour ne pas prendre intimidation, pour qu'il fasse travail. Et c'est là toujours dans la caba pour matin, juste avant nous aller dans le parc, rappelons un point qui était fait essentiel, le journal là pour matin. Travailleurs, brigadiers, action civique qui a fait mission à disposition qui prend pour ouvrir l'école là. C'est sujet qui était débattu hier mardi dans le cadre de la semaine conférence spéciale le ministère communication organisé dans l'occasion de rentrer l'école là. Commission chambre député a quitté une mission travail sur la constitution en présenté mardi 28 août là rapport by société civile là et puis l'autre secteur concerné dans la population dans tête collé avec ministère agriculture ressources naturelles avec développement rural ministère conditions femmes avec droits femmes et puis FAO y a organisé une journée atelier trois journées atelier sous thème atelier de réflexion sur le genre et les sécurités alimentaires atelier ça a fait pour valoriser le travail familial dans le dossier insécurité alimentaire. Et puis à l'échelle internationale, Dion. Nous te comptons ensemble avec commentaire pour nous capables pour la troisième sortie de journal pour la semaine ainsi là. Nous avons souhaité tout le monde passer un très bon journée mercredi. Nous avons invité à arrêter pour suivre la programmation. Très bonne journée à tous.